Sur son vélo, Marc pédale 70 tours par minute. Parmi ces estimations, lesquelles paraissent raisonnables? Alors, réfléchissons un petit peu ici. On nous dit que Marc pédale 70 tours par minute. Il y a 60 secondes dans une minute. Et donc, si Marc pédalait 60 tours par minute, eh bien, ça reviendrait à dire que Marc pédale un tour par seconde. Sachant que Marc pédale 70 tours par minute, eh bien, on peut dire que Marc pédale juste un tout petit peu plus que un tour par seconde. Alors, voyons si ça va nous aider, ça. Alors, première estimation ici. Marc pédale environ 4000 tours par seconde. Eh bien, si Marc pédalait 4000 tours par seconde, sachant qu'il y a 60 secondes dans une minute, ça reviendrait à dire que Marc pédale 4000 fois 60 tours par minute. Et on aurait ici un nombre bien plus grand que 70. D'autant plus qu'on vient juste de dire que si Marc pédale 70 tours par minute, ça veut dire qu'il pédale un tout petit peu plus que 1 tour par seconde. Alors, cette première estimation est fausse. Ensuite, Marc pédale environ 1 tour par heure. Alors, il y a 60 minutes dans une heure et on nous dit que Marc pédale 70 tours par minute. Ce qui veut dire que Marc pédale 70 fois 60 tours par heure. Et c'est bien plus grand que 1 ici. Alors ici, 1 tour par heure, c'est bien trop lent. C'est pas correct. Ensuite, Marc pédale environ 1 tour par seconde. Puis on nous dit qu'il pédale 70 tours par minute. Et il y a 60 secondes dans une minute. Alors si on divise 70 par 60, ici on va trouver quelque chose qui va être juste un petit peu plus grand que 1. Ce qui veut dire que Marc pédale juste un tout petit peu plus que 1 tour par seconde. Alors cette estimation ici, eh bien, elle est plutôt correcte, puisque bon, on ne nous demande pas que ce soit parfaitement juste, ce sont des estimations, puis on a le mot environ ici, qui veut dire que c'est juste approximatif. Ensuite, Marc pédale environ 4000 tours par heure. Eh bien, calculons. Marc pédale 70 tours par minute. Il y a 60 minutes dans une heure. 70 fois 60 égale 7 fois 6, 42. Je rajoute les deux zéros, 4200. Ça veut dire que Marc pédale exactement 4200 tours par heure. 4200, c'est assez proche du 4000. Cette dernière estimation est donc correcte.